ou peut-être 6 ans dans la tête. Un jour, je ne sais pas s'ils se souviennent, c'était quoi, un peu difficile, on va dire. C'était quoi en première, c'était en première ou terminale? Je ne sais pas. Bon, dans ces eaux-là. Ils ont dû rentrer un jour dans leur chambre d'internat à Chard et retrouver... Dans le dortoir. Dans le dortoir. Un bazar innommable avec tout ce qui était dans leur armoire par terre, leurs petites provisions. Non, non, attends, je reprends. Donc, un après-midi, on ne savait pas quoi faire. Et on avait remarqué que la clé du dortoir des mecs, c'était dans une petite armoire, tu sais, avec un marteau pour l'incendie. Et quand tout le monde a vu, on arrivait à attraper la clé. Alors, on s'est dit, tiens, bonne idée, on va faire un truc. Donc, on se regroupe quelques-unes, je sais pas, les deux. Et on prend la clé, donc il y avait une qui guettait, c'est Mireille. Peut-être une autre, mais on n'a pas trouvé. Et alors, on a pris la clé, on est rentrés toutes les deux dans le dortoir des mecs, et on a tout vaqué. Tous les armoires, les lits, tout tiré. Alors, bravo. Et donc on vire tout ça, on met la clé derrière la petite vitre et on s'en va. Et le soir, on se met, donc nous on était dans le bâtiment, si tu veux, les dortoirs des mecs étaient là et les dortoirs des filles étaient là. Donc nous on était à la fenêtre et on a regardé l'entrée des mecs dans leur dortoir. Et alors on les voit qui rentrent dans leur dortoir. Alors et tout le monde rentre, tout le monde voit le bordel. Et après tout, ils se sont retournés d'un seul homme et ils sont foncés dans le dortoir d'en face qui était d'autres mecs. Et ils ont tout vaqué et les gens étaient là. On était en fenêtre, on avait prévenu tout le monde et tout le monde était plié. Et vous l'avez jamais fait. La grosse leçon,